Marie-Hélène Lafont, quinquagénaire, 1962, née à Aurillac, Cantal. Écrit depuis 1996, publie depuis 2001 des romans et des nouvelles. Et par ailleurs, depuis très longtemps, j'enseigne les lettres classiques, français, latin, grec, à Paris, où je vis. J'en suis arrivée à l'écriture par vocation. J'ai eu l'impression d'être née une deuxième fois. C'est-à-dire que le monde s'élargissait et que ma place était là, dans les mots et dans les histoires que les mots servaient à raconter. Je n'ai commencé à écrire qu'à 34 ans, 1996, suite à un concours de circonstances très littéraire en quelque sorte, puisque dans l'année qui a précédé, j'ai lu successivement et découvert, parce que j'avoue que je ne les connaissais pas auparavant, quelques livres importants de Richard Millet, de Pierre Michon et de Pierre Bergoglio, dont je n'ai pas mis longtemps à apprendre qu'ils venaient géographiquement du même socle que moi, c'est-à-dire ce massif central là, qui n'en finit pas de se vider et de s'évider au centre de la France. Et ils parlaient, dans Les Vies minuscules, dans La Grande Beune, dans La Gloire des Pitres, ils parlaient du monde d'où je venais. Et ça a été vraiment décisif pour moi, ça m'a acculée à la nécessité d'écrire. Le métier de professeur est aussi le gage de ma liberté d'écrivain. C'est-à-dire que je ne publie que ce que j'ai nécessité à publier. Et je n'écris que ce que j'ai nécessité à écrire. Jamais à aucun moment je ne me pose la question de savoir si mes livres, par exemple, pourraient me permettre de vivre. Je ne prends jamais de notes préliminaires, vous voyez. Je n'ai pas de notes dans un carnet qui serait, que l'on pourrait intituler projet de roman. Je n'ai pas ça. Hein. L'été dernier, je suis tombée sur une histoire qu'on m'a racontée dans le Cantal. Et je me suis dit, quand on m'a raconté ça, et quand j'ai rencontré les personnes qui ont été témoins ou acteurs de cette histoire, je me suis dit, ça, je vais l'écrire, c'est évident. Vous voyez ? Donc cet été, je vais commencer ça. En général, je fais une première version à la main, papier. Papier, crayon, bloc à spirale, que j'achète en général à Rion et Montagne. Là, j'ai des rites pour le coup, hein. Je suis très très obsessionnelle. J'aime bien les acheter à Rion et Montagne parce que il y a le prix qui est écrit au crayon à papier. Au bout de ce que j'estime être la première version papier, j'engrange dans la machina, c'est-à-dire dans l'ordinateur, et ensuite je retravaille. Voilà. Je dis volontiers que j'ai une chronalgie, c'est-à-dire la maladie du temps. Dès mes premiers livres, et de façon beaucoup plus intense depuis Les Derniers Indiens et L'Annonce, donc 2008-2009, je suis très fréquemment sollicitée pour des rencontres avec des lecteurs. Et j'aime ça, la rencontre avec le lecteur. Hein. Il faut arriver à jongler entre le temps de présence devant les élèves et puis le temps de préparation, de correction, enfin bon, voilà. Le temps d'accompagnement des livres et l'épicentre du séisme, c'est-à-dire le temps d'écriture. Donc c'est la lutte au couteau. Tous mes livres sont extrêmement autobiographiques, tous. Et je me plais volontiers à dire que je suis partout, éclatée, revue et corrigée, réinventée dans tous mes livres. J'ai été sollicitée pour lire en effet deux textes extraits d'albums, qui sont des textes assez spécifiques dans mon travail, puisque ce sont des proses poétiques. Ça voudrait donner à voir, à sentir, à goûter, à humer, à respirer. Ça voudrait incarner un monde. En l'occurrence, un monde à la fois infime et majuscule, qui est celui d'où je viens, c'est-à-dire le Cantal et le haut pays du Cantal, le haut Cantal, le nord là-haut. Lisière, plateau de Limon, plateau du Cézallier, qui est là, le lieu séminal de tous mes livres. Mais encore une fois, il ne s'agit pas du tout de s'enfermer dans ce lieu. Hein. Il s'agit d'éprouver le lien à ce lieu, non pas comme une prison, mais comme un trésor. Je dois dire que le globe de cristal, c'est de loin ce que j'ai fait de plus exotique en matière de récompense. Parce qu'il ne vous a pas échappé que les globes de cristal, on va chercher la chose, et la chose est remise au lido. Donc tel que vous me voyez, moi, je suis montée sur la scène du lido. Je préfère même pas regarder la tête que je devais avoir. Je préfère même pas y penser. Des élèves le lendemain m'ont dit « Madame, c'était vous au lido ?» Alors j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous regardez à la télé ?»
Et elle m'a dit, madame, je zappais.